Bon, le ministre a dit lui-même que les gagnants matchs, c'est sorti. Oui, les gagnants championnat. Les gagnants championnat. Bon, effectivement, jusqu'à date, moi-même, je dis presque gagné. Parce que beaucoup ont dit gagné, parce que l'homme de Dombaré, il faut constater. Il faut que le premier ministre commence à mettre sécurité dans le pays pour montrer réellement l'élection. Maintenant, Jean-Barrio est là, qui est-ce qui calme l'élection? Mais nous faisons crédit ça, que là il prend toute disposition avec ses amis de la communauté internationale, ses amis, ses vrais amis, effectivement, pour mettre en pile sécurité, pour nous tellement de sécurité, pour nous sécurité, pour nous vendre. Pour tout le monde qui a marché libre et libre dans le pays. Ce n'est pas là où il a commencé. Ce n'est pas l'élection. L'élection, c'est un avantage que la sécurité a pris le nous pour nous mettre des autorités dignes de leur nom qui respectaient les prescrits de la Constitution, la loi, etc. Et donc, c'est ça nos besoins. Donc, moi-même, Premier ministre, je ne suis pas capable de dire ça. L'on doit dire en perspective gagner. Mais est-ce que ça, ce n'est pas en raison pour le ministre intimider les populations? Parce que vous à chaque fois que l'on est parlé, les populations sont toujours passées en étape de guerre, même pour manifester comme ça. On ne pas si Jean-Premier ministre Ariel Henry a réalisé une élection dans le pays ça, avec Jean ça sur le pays. Hein? Bon, monsieur Touré. Pour intimider les populations, bon, les populations, je ne personne qui a intimidé. Parce que c'est eux-mêmes qui ont pris un coup. Et ça me donne là. Ils ont pris un coup, il faut relayer. Il faut relayer si vous montez sous pied ou quand vous montez sous pied. Donc, moi-même, je pense que la disposition pour le ministre à prendre, c'est sur Abdoula. Et sécurité, hein? Et si vous avez une intervention qu'on fait pour venir aider nous, résoudre le problème de sécurité. Hein? Moi-même, pour moi-même, je me dis le bienvenu. Et parce que quand je suis là, c'est bien ça m'attend. Et parce que je ne suis pas dans le poche, je ne suis pas dans le travail, je ne suis pas dans le pays, je suis dans la profession de la Port-au-Prince. Moi, je suis malade, là, particulièrement Jérémy. Il faut me dire, racontez-le pas ça. Je suis allé là un jour, peut-être le mois dernier, à la moins 5 6 semaines. Je me suis dit que M. Georges, je vais monter mon bagage. Et puis nous ouvrons une porte. La nouvelle porte là, moi, c'est une grosse pièce qui est bonne depuis à terre, juste en l'air, dans le plafond. Et puis, il y a là, qui commence à mûr. Je me suis dit, moi, pas capable. Mais, problème, moi, je ne suis pas capable de faire petit l'école, je travaille, même, je suis bonne, je ne suis pas obligé de perdre tout. Donc voilà une situation. Et ce n'est pas lui même seul. Ça sont au monde dans notre pays. Hein? Donc nous-mêmes, écoutez, est-ce que nous avons fait le est-ce que nous acceptons le comme ça? Qui paye capable de vivre comme ça? Moi-même, de quoi me parler, c'est de sécurité à me parler. Moi-même, je manque quitter pour me la donne. Petit moment que quitter pour la donne. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, la police lui-même qui tire sur petit moment, il a fait mentir, il dit, c'était. Kidnapper. Pour que ça se soit politiquement retiré, c'est pas ce kidnapper retiré. Côté kidnapper, qui ou tu as fait? Oh, depuis bonne église là en bas, ou de frère, hein? Comment l'église a été là, dans le carrefour, bon, côté l'école magistratia, il a tiré sous lui. Oh, côté elle était sorti dans l'école police là. Côté mon gars, kidnappé, côté. Donc, ça c'est pas qu'on nerve au plus haut point. Donc, moi-même, c'est ça, me dit sécurité, non, des sécurités dans le pays. Et nous parler de blancs américains, justement, qui toujours nous sont sous sol là, est-ce que c'est pas le cas que PM n'a pas voulu remettre dans le pays, ou bien si l'élection l'a fait? Non, pas quoi ça. Non, pas grave de remettre dans le pays, quelle est cette histoire? Pas qu'il y a aucun haïtien qui dit de ce nom. Capable de remettre dans le pays. Après ça, nous avons fait verser toute bataille qui est faite depuis avant le 1803.
rive de 1803, les finis couler là pour nous apprendre le pays, le bail blanc. Le pays arrive dans le point ça, c'est faute. Le peuple haïtien qui n'a pas choisi. Ok, qui n'a pas choisi. Et là, ils ont un bon président, un peu estime, un peu maniga. Ils ont couru d'elle. Vous comprenez? Le peuple n'a pas choisi. Le peuple est responsable. Mais George, là, on a parlé de sécurité, on a parlé d'élection, tout. On a parlé de la Canaan, on ne peut pas passer. Et Matisse en mission, même, on ne peut pas passer. La boule. Contingent. Et là, on a regardé pour aller dans l'élection, comment nous dans la zone ça, ou même, on va faire voter, mais George, comment question ça, on va résoudre avant l'élection? Question, monsieur Azamio. Monsieur Baïkana, ça, on a toujours fait deux autres manches, je ne sais pas si on a tué, et puis on a coché dans notre cochon. On va continuer à faire ça. Donc, regardez dans quelle étape il y a tourné. Bon, moi-même, pour répondre à la question, je vais répondre déjà, mais je vais répondre encore. Pas de aucune élection possible tant que vous n'avez pas nettoyé le pays. Bade Kaila, Ouze Kaila, Petire Kaila. Faut que ça. Son mot, bon, regarde là. Là, en 86, vous avez parlé au monde de kidnapping, de l'Idamado. Qu'est-ce que ça avait dit? Vous avez parlé au monde de sécurité, il a dit. Ça, quelle sécurité là? Mais que Kounia là même? C'est monnaie courante. Donc, c'est vrai que tout le monde, même quand il y a là, on fait que on appelle là, de un député, n'est-ce pas, il a kidnappé. Il a kidnappé à toute madame, ni petite là, chauffeur, ni, il a dit madame, ni petite là, il a député avec chauffeur. Ouais, Mariani. Ouais, écoutez, c'est chaque fois que tu as des débats comme ça. Les gens, ça y est, m'a demandé si c'est mon yon, si on a dit qu'il pour y faire un peu de souffle comme ça. Ou peut-être d'un fille dans un cabaret Kabdou. Toi n'est passé sous lit devant petit lit. Petit la crié, on va nous coup de poing, on souffle de la terre. Et c'est bon, c'est bon. Maintenant, Georges, sous même dossier Canaan, et pour résoudre l'insécurité qui est sur entre nos capitales là, par rapport avec Canaan, est-ce que vous pensez solution et la police utilisée pour capable craser caille pour arriver combattre et bandits, est-ce que vous pensez solution c'est ça lié arriver craser les caille qui gagne canal? Bon, la police gagne mon cap bonne information sur gaz on craser caille on gagne puis déloger gang. OK, non bon caille craser la police craser il était petit bébé la donne c'est pas caille gang tu me cala tomber sur bon là pas de tu vois moi gars tu bébé qui mourir. Au contraire, je me voyais sympathie, je me voyais avec la famille. Je regrette ça. Donc, ça, relé, de tout, nous connaissons ni dommage collatéral. Quand tu es dommage collatéral, gang, il y a fait eux-mêmes. Ou pas raconter eux. Ou raconter un petit bébé. Je regrette qu'il mourir. Parce que c'est un petit moi, ça l'a fait très mal. Et je compte ça, le petit tout, gros problème, les gros coups, en tant que père de famille. Je ne sais pas ça veut dire. Je ne souffle dans la pomme, dans la chambre. Mais ça n'est pas. C'est dommage collatéral. Il y a toujours des dommages collatéraux, quel que soit dans le camp. Mais écoutez, on nous fait ça, le gros bagage, nous finit avec ça. Que la police. Bon, gros bagage qui ne comprend pas. Je t'entends, il était derrière la mort sans jour. Il a couru derrière elle, l'alto maso, l'alcaché dans la gé. Ils ont cherché le bagage venu. Bon, même moi, je marche un jour, je prends la rue, à toute gang nuit, à marcher sur le coin de bouquet, à demander pour rester boutique ouvert, à passer l'ordre. Bon, arrête là. En complicité avec qui est-ce? Grand monde qui balle en garantie qu'un n'est pas privé, lui va sortir dans la cachette, lui, prendre la rue, recommencer à fonctionner. Hein? Moi, je suis parti, j'ai quitté le pays à la Miami. Il ferme tout à fait. Et bien, on s'est là, plusieurs mondes. Et maintenant, Georges, et toi qui conseille, d'après vous-même, qui sont pensés que tu as solution au pays pour le nouveau gouvernement qui va monter à 6 ans que nous avons une élection qui fait dans le pays? Non. Moi-même, je ne voulais pas parler d'élection tant que je peux courir, je éliminer toute gang du net, généralement quelqu'un, quelque chose à côté de lui. Je vais être en train d'en faire maman et voir le problème.
Mais c'est là ça fait. Moi-même, mon carré a fait élection dans le pays. Mon carré a été ouvert, mon carré a été à l'école. Bon, quand on va donner l'école ouverte, mais on dit tout le monde pas venir à uniforme. Vous entendez? Ça veut dire que tout le monde pays a tourné ou prison à ciel ouvert. Tout le monde en prison. On en prison, on en prison, on en prison, on en prison. Mais George, là nous considérons qu'il y a plusieurs missions qui viennent en Haïti déjà. Donc avant l'état de 2004, nous avons plusieurs missions qui viennent déjà. Et on ne peut jamais épauter fuir. Il a toujours échoué. Et comment nous pouvons déraciner les gangs, ça, M. George? Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est peur ou peur vini? Parce qu'il y a plusieurs demandes, missions nationales. Il y a plusieurs demandes qui sont faites déjà, M. George. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est échec ou pas venir pour un souterrain encore? Vous avez oublié son militaire qui va parler. Un militaire américain encore. Donc, pour les États-Unis, vous ne pouvez pas l'armée américaine. Hein? Regardez, Mabdo. Vous avez une équipe qui est dans US Navy. Il y aurait les Navy SEALs. S-E-A-L-S. Vous avez vu là en vérité de Dieu, en 48 heures, il y a éliminé tout le gang qui est dans le pays. Ça veut dire que vous espérez que c'est blanc qui a éliminé les gangs ou les police nationale n'a pas fait ça? Et. Vous avez vu la police, là, la force de sécurité qui est dans le pays, y compris l'armée. Vous avez une volonté politique qui manque. Une volonté politique qui manquait. Alors, tu as pris là, on remet mon pays. Là. Et puis, et même tu as passé l'autre, moi, je passé l'autre, bon, pas exécuté, tu es dans la prison, aller ou bien autre. Parce que dans l'armée, mais ça, on dit, you fight fire with fire. Vous savez, ça veut dire? Sa zam ou combat zam. Nèg yo genyen on M16, yo gon T-65, yo gon Galil ou même ou vinon M60, ou vinon M50, ou vinon M29. Ou vinon on tank Bradley M1 Bradley. Déraciné. Bon, la fini tout. On va le l'autre bord. Bon, les armées américaines débarquent là, ils viennent avec toute battante là. Ils sont qu'à faire contre ça. Drone, ils étaient là. Ils ont un ordre de là. Ils ont couru, ils ont bralé. Ils ont couru pour aller là, ils ont voir, et puis ils ont tué. Drone, ils ont aller là, ils tuent. Côté là. Et le canon, il faut tellement haut, ou pas même où elle-même, si vous devez être en l'air. Donc, à qui ça veut dire que vous êtes là? À qui ça veut dire? Parce que si vous faites assez de dégâts en d'un pays pour disposer de choses après. Bon, si vous avez résolu le problème de sécurité, pour qui ça, vous n'avez pas pris une décision ça? Bon. Lundi, vous de qui vous parlez? En parlant du comité international là, parce que c'est vous-même qui avez dirigé le pays. Le comité international là, j'ai tout le monde connaît, ou si vous connaissez même sous Kabliel, ils n'ont que des intérêts. Intérêts sont beaucoup réellement menacés. Ils sont beaucoup réellement menacés. Enough is enough. Et puis, qui fait, ils ne sont pas déclivés au matin. Et pour débarquer là, ils résoudre le problème. Ça n'est pas un problème, ils ne pas résoudre là. Ça, c'est un problème, c'est un problème pour les Américains. Pas même Canada. Même pas qu'à parler de Canada, c'est pas un Canada. Moi, je n'ai pas parlé d'Américains, de l'armée américaine. Moi-même, je ne sais pas qui ça m'a parlé. Et maintenant, j'ai un message pour la population, pour le pays en soi, durant l'année 2023. Qui sont à suite pour le pays en 2023? Pour moi, qui est le kidnapping, insécurité, bah, ça y est. Fini en la pays. Fini à tes plaques. Bah, écoute,
pas fait à quoi on a payé, à titre d'exemple. Et ça fait mal. Pour moi, payer, non, n'aïe pas ça. Ça fait mal à pile. Nous, nous pas en sécurité. Bon, nous venons là, monsieur, bien quoi, ouais, non. Pas quand rien d'où, ou l'on souhaite, on parle là, car ou à briver, ou bien quand on a besoin d'aller à briver. Pas quand rien de ça. On paye pas quand vivre comme ça. Sécurité, moi, de sécurité, sécurité, sécurité encore. Sécurité encore. Nous avons dit que nous dit oui, il n'y a pas de blanc débarqué sur le sol des salines. Ok, moi-même, je ne pas de mais qui soit fait pour empêcher l'insécurité. Elle soit prise à moi, elle va avec mon Dieu. Sacré dans un pays étranger, il y a un confort, gros sécurité dans le croyant, il y a maintenant ma porte ouverte, il n'y a pas privé. Mais il n'y a pas comme ça, il y a un subi ici. Ça, maman petit à papa petit à subi. Ça, si vous ne pas à l'école, il subi. Manger, monter. Par rapport à l'insécurité, goutte la montée. Et puis, depuis goutte la montée, c'est la vie chère, oui. Et sécurité a pour beaucoup, oui, non, la vie chère. Il n'y a pas comprendre ça. L'argent va s'équiner. Donc, il y a dit, oui, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas. Je ne sais pas quand de qui ça a parlé. Si on a parlé, il y a parlé sans qu'il n'y ait pas. Il fait bon, il y a dit, je ne pas. Bon, Dieu, on y vit une fontite, on a été vivre en deux semaines, il y a venu. Il y a dit non, il va venir. Donc, ou bien, les gens sont méchants, ils ont haï nous, les gens qui ont dit ça. Bon, moi-même, pour moi, j'ai devenu depuis l'année passée. Le dernier mot pour finir, M. le juge. Dernier mot, c'est sécurité, nous demander. Nous demander sécurité, nous demander sécurité. De comme député Sheila, et t'as dit, le mois de janvier, ça, il y a posé toutes questions. Député Sheila, nous remercions. Nous contentons d'eux et félicitations. Donc, n'attendons que ce dia du fait de moi ça pour nous finir avec Baïsa pour payer à avancer parce que le pays a peut-être une insécurité, l'a fait back. Merci.